Salut à tous, c'est Rusty. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode des tutos motifs où je vais vous apprendre à dessiner la célèbre banane qui a fait le buzz. On sait un mème, Peanut Butter Jelly Time ou autrement dit la gelée des oignons du temps. Alors, vous voyez ici sur mon Animal Crossing, il est minuit 57, mais il est pas vraiment minuit 57, hein. Je sais que j'adore faire des vidéos, mais pas au point d'en faire super tard. Donc, pour commencer, comme il est tard dans le jeu et que j'ai la flemme de changer l'heure, voilà, je vais le faire dans mon inventaire. Donc, alors, on va supprimer un motif, modifier, oui. Alors, là, vous voyez, je vais le faire tout blanc. Commencer. On va reprendre le pinceau, on va mettre des petits pixels. Et voilà, alors donc maintenant je vous montre comment on va faire. Alors excusez-moi, j'essaye de régler. Voilà. Donc là j'ai grossi, hein. Donc je suis bien au milieu. Alors vous prenez du noir. Alors vous prenez les petits pixels noirs. Et là on va commencer par le haut. Si je prends un fond jaune, ça ne va absolument pas le faire. Tac, pouf, pouf, pouf. Voilà. Alors la tête. Alors sachant que c'est une banane, on va faire deux petits cubes. Donc juste ici, vous voyez, ça va pas commencer. Il y a la limite là. On va faire deux petits cubes tout en haut. On va descendre sur deux cubes. Ça va pas le faire non plus, mais... Oh. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va refaire un côté comme ça. Et un côté plutôt comme ça. Pour faire comme si... Voilà quoi, voilà. Plutôt comme ça. Ensuite comme ça, donc vous voyez, bon, je pense que ça peut le faire, ça. Ensuite comme ceci, cela. Ouais, là pour l'œil ça va être un peu galère, on va dire comme ça. 3, soyons fous, 3. Et là l'œil binoclard. Et pile. Voilà. Elle va être bizarre. On va pas faire comme ça notre petite banane. Plutôt comme ça. Et du blanc. Voilà. Donc on fait des carrés 3 sur 3. Un carré 3 sur 3 et un point blanc. Donc ça c'est la base du premier œil. L'autre œil, on va le coller comme ceci. On va refaire du basse 3-3. Je vais laisser la petite musique en fond. Hop, on refait un petit œil. Donc elle a un air abruti là. Un air complètement stupide. Un peu. Donc vous voyez, la tête est assez simple à faire. Ensuite, à partir de cet œil là, on va descendre sur plusieurs pixels. Donc on va dire 4. Punaise. 2, 3, 4. Qui va nous faire la bouche environ ici. Donc on va prolonger jusqu'au bas de l'œil là. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 de large. Vous descendez comme ceci. Tac. Ouais, comme ça, ça va être pas mal. Voilà, la bouche un peu concentrée comme plutôt. Tac. Je dirais comme ça. Non. Ouais, comme ça plutôt, c'est pas mal, je trouve. On va descendre. Je trouve que la bouche est un peu trop basse. Ça doit être ça qui lui fait un peu bizarre. Voilà. Oui.
C'est pas mal. Alors ensuite, on descend. 1, 2, 1, 2, 1. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, on va descendre un pixel comme ça. Oh, je déteste quand ça m'a fait ça. Puis là, on va pas mal descendre. Toi tu commences à m'énerver. Espèce de saloperie du... Voilà. Alors on va descendre et à partir de 1, 2... Oh, plutôt un pixel. On va commencer à redescendre. Comme ceci. Sur 3, comme ça. Ensuite, bah ici on va faire 3. Ça fait un peu une courgette. Hop, je descends encore. Au niveau de la bouche comme ça. Ensuite 2 pixels là, 3 pixels comme ça, non 2 pixels comme ça, excusez-moi. Ensuite on va refaire 2 pixels là ici pour donner la forme. On va refaire la même chose, 2 sur 2 sur 2, ce qui fait que je me suis loupée. 3. Et oui, 3. Sur 2. Sur 2. Sur tais-toi. Sur 2. Qui fait qu'il est complètement horrible. Excusez-moi. Ah, c'est pas possible. Donc désolé, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Alors vous avez votre banane assez ressemblante pour le moment. Et oui, ça va être la fin de Mister Banane. Tac et tac. Voilà. Vous avez votre banana. Vous êtes content. Mais maintenant, vous voulez pas qu'une seule, que ce soit qu'une banane. Hein. Bon, vous voulez quand même faire des petits bras à votre banane. Hein. Petite banane assez chelou. Donc... Ces bras, moi je vous conseille de les commencer là. Après les bras, vous êtes pas, vous les faites comme vous voulez. Mais bon, si vous voulez, faites-les comme moi. Voilà, comme moi. Vous aurez la même que moi. La même banane. Tac. C'est vrai que c'est pas très très facile ces bras. On va lui faire un petit carré comme ça. Voilà. Elle ressemblera à rien comme ça, sa main. Ah bon, je replie mobile. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà. J'aime pas du tout sa main. Alors, bon, on repart dessus. On va lui faire un truc comme ça. Comme ça. Je me suis bien entraînée à la faire, mais ça reste assez chaud quand même. Je vous le cache pas. Hop. Oui, oui. Non. Voilà. On va faire comme ça. Voilà, donc je refais un petit rappel. 1, 2, 3, 4, donc 5 sur 5. Donc on fait un carré de 5 sur 5 avec deux petits points ici. Pour faire ces petits pouces, on va mettre du blanc là. Bon, non en fait, non. Alors voilà. Ensuite, quand on a ça... Allez, écoute. C'est pas mal là. Son petit bras comme ça, par-ci par-là. Et du coup tu fais bizarre comme ça, voilà. Notre bras, on va lui faire ici. Alors au niveau là, donc il y a une petite courbe. Tac 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 tac. Hop.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. Excusez. Voilà. On a fait exactement la même main. Alors maintenant, on va lui donner la couleur. Alors sa bouche, on va la faire assez claire. On va... Alors moi, je vais faire des dégradés, pareil, comme d'habitude. Alors, hop. Les yeux, bah vous voyez, pas grand chose à faire. Alors ici, moi j'ai pris un jaune déjà un peu foncé. Comme par hasard, en fait, non, j'ai rien choisi. C'était déjà là. Sur mon tout motif d'avant, voilà. Tac, tac. Hop, et bah son petit chapeau, on va le faire comme ça aussi. Alors ce jaune-là, il se situe ici. Voilà, des jaunes. Donc je vous le montre, comme ça... Vous avez le même que moi. Ensuite, on prend le jaune basique qui se trouve au centre des jaunes. Ok. On prend le gros pot de peinture et on lui éclate à la gueule. Là, maintenant, elle a plein de... C'est une banane en peinture. On va reprendre un petit peu de rouge. Et par contre, celui-ci, on va le prendre un peu plus foncé. Donc celui-ci se trouve là, en dessous du rouge principal. On va lui faire un petit pixel là. Voilà. C'est comme si c'était bavé dessus. C'est pas le but. Alors bon, en fait non, c'était bon. On reprend notre jaune foncé. On va lui coller un peu là. Et un petit peu là. Comme ça. Plutôt un pixel, entre pixels, comme ça, voilà. Donc ensuite, sur les dégradés, on va redescendre un petit peu comme ça. Voilà. Bah moi ça me paraît très très bien. Si vous voulez pas faire trop vide, on va lui faire des jambes. Ce que j'ai oublié de faire. Excusez, je touche l'écran du haut, du coup ça tombe. Alors, les pieds. Écoutez, on va faire un truc assez basique. Comme ça. Ça me paraît très bizarroïde. On va plutôt faire un truc assez simple, n'empêche. Excusez-moi, hein, mais les pieds, j'ai zappé cette étape. Mais le petit ballon, on va quand même lui faire les pieds. Voilà. On va refaire la même de l'autre côté. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, tac. Hop, et hop. Voilà. Donc on a notre banane chulou. Oh là là, j'ai un cadre. Moi je tape le fond du haut. Et non, je ne fais pas exprès. Non, je n'ai rien contre ma dé. C'est juste que je viens de faire un pixel de décalage. Voilà. 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 Et voilà. Donc, moi ça me paraît très bien. Donc voilà, vous avez votre banane. Si vous vous ennuyez avec cette banane, vous lui mettez un fond bleu. Et voilà, les sautes maintenant. Voilà, votre banane. Vous avez votre banane, votre jolie banane. Et vous, même si vous l'avez fait, vous l'avez rendu. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo de 15 minutes. Oh mon dieu, je suis désolée. Alors. Voilà. Et donc voilà les gens, c'est fait. Donc je redis toujours encore une dernière fois merci à Jenna pour les pêches parfaites. Ça fait énormément plaisir. Même si vous avez été nombreux à me le proposer de les passer. Je dis aussi un grand merci à Jordana
Jordan Afouli d'avoir lu mon commentaire et de me répondre quand je lui pose des questions, c'est sympa. Oui, pour moi ça représente beaucoup, voilà. Comme peut-être pour certains d'entre vous, de me poser des questions et de voir que je vous réponds. Je réponds absolument à tous les commentaires que je reçois, même si en ce moment j'en reçois énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et quand on arrivera aux 500, comme je vous l'ai dit, une FAQ, hein, donc n'hésitez pas à me poser vos questions avec au début de votre question FAQ Rusty. Donc vous êtes pour le moment 5 à m'avoir posé des questions, c'est vraiment pas suffisant, mais vous inquiétez pas. On a un petit peu de temps, sauf si jamais les 500 abonnés éclatent d'un coup, comme ça vous n'aurez pas encore fait votre question. Donc posez-la le plus vite possible. Je ne vous réponds pas quand vous me posez une question, ça veut dire que je l'ai notée, hein. Si je vous réponds, ça veut dire qu'elle est déjà notée. Voilà, bye les gens.